Il y a un truc que je t'ai pas encore dit sur cette chaîne, c'est que à une époque, je dépensais 1000 euros par mois en alimentation. Oui, ça c'était quand j'étais absolument obsédée par l'alimentation saine, et du coup, je dépensais ouais, tout mon budget là-dedans. Il y a tout qui partait là-dedans. Après, c'était super sain, il n'y a aucun souci, hein. Et bon, c'était une époque où j'avais pas de dépenses pour mon loyer et tout ça, donc je pouvais tout mettre dans l'alimentation. Et maintenant, je dépense à peu près 200-300 euros par mois max en alimentation. Et je me sens super bien, j'ai l'énergie, mes bilans sanguins ils sont impeccables, d'ailleurs avant aussi. Mais tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vous ruiner en alimentation. Donc à l'époque, c'était en fruits exotiques que je dépensais pas mal, j'achetais aussi des super aliments, mais en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs qui coûtent super cher. Je dirais même, oubliez les super aliments et vous n'avez pas besoin de fruits exotiques pour être en bonne santé. En fait, c'est très très simple pour être en bonne santé. Il suffit de regarder ses macros, les macronutriments. Donc de bien viser dans les bonnes catégories, manger correctement mais sans se ruiner. Et le seul complément alimentaire que je prends, d'ailleurs c'est le seul qui est nécessaire dans une alimentation végétalienne, c'est la vitamine B12. Mais sinon, en dehors de ça, je prends rien d'autre, je me nourris juste simplement, donc féculents, fruits, légumes, enfin des trucs de base qui coûtent vraiment pas cher. D'ailleurs, je suis toujours passionnée de nourriture, mais je me prends plus la tête avec ça. Et à travers ma méthode, j'aimerais vous aider à prendre soin de vous en dépensant moins d'argent, en vous prenant moins la tête avec l'alimentation et en vous faisant plaisir gustativement aussi, parce que c'est super important. Je vous propose aussi un mail privé qui est gratuit et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Ça parlera de mode de vie, d'alimentation, de plein de petites astuces pour vous aider dans ce sens-là. Ok, j'espère que vous serez nombreux à me lire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!